Salut Slama, aujourd'hui c'est mardi le 17e mois de cette année 2021. Me revoici dans cette vidéo au sujet de toute la belle France concernant les traces d'une civilisation française au Vietnam. Pour moi, j'estime que la communication linguistique se trouve très indispensable dans la vie quotidienne. C'est ce dont on ne peut se passer, n'est-ce pas? Encore faut-il mentionner que c'est la communication linguistique qui peut faire lier les cœurs des individus sans tenir compte de la race et des autres conditions, n'est-ce pas? En parlant de cette matière en particulier, pour moi, j'estime que c'est la communication linguistique quotidienne en français avec la communauté francophone qui m'a donné un grand engagement en tant qu'immigrée vietnamienne aux États-Unis. De là, c'est le bonheur dans ma vie quotidienne. C'est ce dont je ne peux me passer. Toutes les fois que je me présente devant vous-même, la communauté francophone, devant la caméra de mon portable pour faire reproduire mes vidéos. Je sais que je peux bien éprouver ce bonheur rien qu'à me regarder et à me écouter dans les paroles parlées en français. Parce que cela me fait penser toujours à ma mère vietnamienne et à mes grands-parents vietnamiens auxquels je dois toujours le mot merci pour tous les gènes de eux-mêmes qui ont fait de moi-même un être humain comme moi-même d'aujourd'hui, spécialement le gène linguistique concernant la langue française en dedans de moi-même. C'est celui qui va continuer à m'accompagner toute ma vie. D'ailleurs, encore faut-il mentionner que c'est également une présence de la belle mère France en dedans de moi-même, à laquelle je dois aussi le mot merci. Pour le jour d'aujourd'hui, je voudrais laisser parler la poésie française dans mon nouveau poème qui s'appelle « Galant » numéro 47e. « Galant » numéro 47e. Maman dit que c'est la belle France, la mère de tous les cœurs galants. La venue d'une civilisation, les traces d'une belle langue. Oh, maman, ma belle mère France, en vous-même, ma mère vietnamienne, en vous-même, c'est un cœur galant. Avec moi, vous avez bien marché tout au long des années durant. Bien sûr, maman, c'est le sentier français dans lequel je vois votre cœur galant. De là, c'est la mer belle France, la rivière grand-mère vietnamienne, c'est vous-même, maman. Et les voilà devant moi très vivants. La mère belle France et son cœur galant. C'est mon nouveau poème qui s'appelle Galant, numéro 47e. Pour le jour d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, comme d'habitude, je voudrais vous laisser incomber à votre réflexion sur mon poème pour le jour d'aujourd'hui. Et à bientôt.